Et salut tout le monde, c'est le Queener. Nous nous retrouvons non pas pour l'épisode 3 de la saison 1 sur la survie en solo dans Minecraft, voilà, j'ai réussi à tout y dire. Mais dans un petit tutoriel pour voir comment ajouter un pack de textures à votre Minecraft version craquée. C'est pas bien. Donc tout d'abord, on va chercher un pack de textures Minecraft, on s'en fout de ça, mais bon. Donc moi je prendrai celui-là. Non, non, pas celui-là. Celui-là. Et on va en choisir un qui va bien se voir, je pense. Par exemple, celui-là, on va pas trop voir comparé à ma version maxée. Ouais, celui-là. Là, on va bien voir. Donc vous pouvez regarder l'image, par exemple, là. Si elle se charge et tout. Donc ça rend comme ça un peu déjà le début. Que moi, mon Minecraft, alors désolé, ça rend comme ça, c'est n'importe quoi. Donc, je vais télécharger. J'ai fait une courte ellipse parce que je vois que ça met assez longtemps à charger des fois. Donc, vous cliquez là-dessus, et voilà. Bon, je fais une courte ellipse et j'arrive. Donc, à tout de suite. Donc me revoilà, c'est bon, j'ai téléchargé. Non, c'est celui-là, hein, vous pouvez bien voir. Le nom, c'est un peu chiant. Megacraft classique, je sais pas quoi. Megacraft classique, voilà, c'est ça. Je vous promets, c'est ça. Donc je sais pas s'il sera très bien. Ensuite, donc vous allez appuyer sur la touche Windows de votre clavier et R en même temps. Ça va vous ouvrir ça. Vous, si ça ne vous y ouvre pas, vous pouvez directement aller là. Vous allez faire exécuteur. Ça va être pareil. Comme ça. Comme exécuter, en fait. Et voilà. Vous allez écrire le texte qui était là. Donc, pourcent. AppData. Donc, A, P, P, D, A, T, A. Et le pourcent, encore. Donc, pourcent, AppData, pourcent. Vous allez entrer. Ensuite, donc, vous allez avoir un fichier, c'est .minecraft. Vous allez dedans. Ensuite, vous allez dans ressources pack. Donc, pack de ressources, pack de textures, c'est pareil. Hein. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns. Donc, vous allez... vous voyez, donc, il vous faut obligatoirement WinRAR pour y ouvrir. Bon, obligatoirement, non. Mais sinon, ça va galérer pour télécharger et tout. Et donc je vous mettrai le lien, je pense, de téléchargement de WinRAR dans la description. Vous prenez votre téléchargement, vous allez le glisser dans votre fichier ici. Voilà. Donc là c'est Megacraft Classic Release 1.8. Donc c'est bien parce que moi je suis déjà en 1.8. Donc ça, pour l'instant, on enlève. Vous allez dans Minecraft, vous allez dans les options, des fois ça peut être là, pack de ressources, là il y a rien. Oui, j'ai jamais rien compris. De ressources, et là vous avez le vôtre. Ou des fois, quand vous l'avez pas ici, vous ouvrez le dossier et vous sélectionnez, et c'est bon. Ensuite, vous mettez celui-là, et après, vous pouvez faire des mélanges. Hein. Vous pouvez mettre par exemple tout ça, et ça va vous faire un mélange de un peu tous en fait. Donc, c'est celui-là, Megacraft Classic Release. Donc, terminé. Maintenant, il faudra le temps que ça charge, parce qu'il faudra que ça change des trucs et tout. On peut déjà voir, ça flash pas mal, hein. Ouah, c'est quoi ça? Pas compris. Vous pouvez bien voir que c'est un Minecraft vraiment version pas bizarre, mais encore pire. Ouah! Donc voilà, les PNJ, ouais, ils changent un peu, hein, connard. Et vraiment, là, ça va nous faire un bon Minecraft version jeu vidéo. Enfin, ça fait vraiment comme ça, hein, c'est... Ok. Donc là, je peux même vous montrer, hein, que ça marche en multi. Donc, on va aller... d'accord. Pourquoi que le papa? D'accord.
Alors, on va essayer. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez bien voir, là, je suis... Ah oui, j'étais tombé dans la flotte comme un con. Je m'en rappelle. Oui. Suis quand même con parce que j'ai jamais pensé à ça, en fait. Allez, monte-toi, merci. Donc, je peux vous montrer, bien sûr, il y a pas mal de trucs qui changeront pas. Mais le reste, bah, logique, changera. Mort, ça change là, mais. Donc, attendez. Ici, là, vous avez la barre de fin. Oui, de fin. Oui, de fin. Et là, vous avez la barre de votre vie et l'expérience. Bon, après, vraiment, je vous promets, ça change pas mal. Hein. Mais j'aime pas celui-là. Et après, vous pouvez en mettre, comme je disais tout à l'heure, pour faire, par exemple, ça, c'est un truc cassé. J'aime pas trop, mais. Attendez, on a combien? 6 minutes, oh putain. Qui est un peu médiéval. Médiéval, là. Et ça va vous faire un mélange. Voilà. Ça fait comme ça. Mais vous voyez, ça va faire un mélange. Bon, on va retourner dans notre, chez notre petit copain PNJ, là. Voilà. Ça va faire un mélange des deux. Vous voyez, là, par exemple, les persos, là, sont. D'accord. On dirait que j'ai une tête de cochon, je sais pas quoi, là. Les persos sont assez bizarres. Mais en fait ça va modifier, ça va faire un mélange des deux. Oui, ça peut être pas mal. Mais avec ça, ouais, bof. Pas mon préféré. Enfin, pas vous pouvez voir, hein. Vous faites celui que vous voulez. Et donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. À me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous y arrivez pas, bon, demandez-moi, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, hein, abonnez-vous, hein. Et je vous promets de pas essayer d'être encore en retard dans mes vidéos. Je sais que l'épisode 3 là, a du mal à sortir en ce moment. C'est parce que donc déjà j'arrive pas à avoir un rendu vidéo de Minecraft là assez bien. Et je n'arrive pas en fait parce qu'il y a en ce moment il y a pas mal de travaux chez moi là et ça me fait pas mal de boucan donc je peux pas trop là ça va j'ai le temps aujourd'hui j'aurai le temps d'y faire mais comme après je dois partir voilà j'espère qu'elle vous aura plu et blablabla et bon bah à la prochaine pour l'épisode sûrement 3 de la saison 1 sur la survie en solo dans Minecraft. Allez, salut tout le monde.